La collectivité fascinant todan, la collectivité Kudogbo, Lokono, la famille Adagbinon d'Azorissé, la famille Hunsou d'Azorissé, les familles Koukoui et Adande de Porto-Novo, les familles Chafa de Savé et Djossou de Logobo, les frères et sœurs du défunt, M. Clément Hunsou, son épouse et leurs enfants, Mme Agathe Atiouné Hunsou, son époux et leurs enfants, Madame Eulalie Fayoun, née Rousseau, son époux et leurs enfants. Madame Pascaline Roui, née Rousseau, son époux et leurs enfants. Madame Agnès Tokpanou, née Rousseau, son époux et leurs enfants. Monsieur Guy Rousseau et son épouse. Madame Flore Afogbolo, née Rousseau, son époux et leurs enfants. Madame Ghislaine Kouassi, née Rousseau, son époux et leurs enfants. Monsieur Gérard Rousseau, son épouse et leurs enfants. Les veuves. Madame Yvette Céline Koukoui, Madame Blandine Elvie Agbeke Tchafa, les enfants du défunt, Christiane Rousseau, épouse Soso, son époux et ses enfants, Madame Grace Rousseau, épouse Rousseau, son époux et ses enfants, Madame Pernel Rousseau, épouse Obosso, son époux et son enfant, Monsieur Yvon Gaël Rousseau, Mademoiselle Chekinaël Endrigue Rousseau, Monsieur Christophe Tondé Rousseau, les petits-enfants du défunt, Ethan, Yohan, Marie Maëlle, Francis Arel et Calice. Les familles, parentes, Alice et Ami, Kamara, Atiou, Fayoun, Tokpanou, Houi, Afogbolo, Kwasi, Djossou, Agboku, Agbozo ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur très cher regretté, fils, père, frère, mari, beau-père et grand-père, M. Justin H. Rousseau, ex-chef service des affaires administratives et financières, CESAF, à la Direction nationale des marchés publics du ministère de l'économie et des finances, appelé à Dieu le mardi 8 mars 2022 dans sa 67e année et vous prie de bien vouloir vous assister et de vous unir d'intention aux obsèques qui se dérouleront selon le programme ci-après. Mardi 15 mars 2022, 20h, veillée de prière et de chant au domicile du défunt à Calavi, Bido-Sessi. Mercredi 16 mars 2022, 20h, veillée de prière et de chant à l'église Saint-Michel de Cotonou. Jeudi 17 mars 2022, 5h, levée du corps à la morgue. 6h, 6h30, exposition du corps à la maison du défunt à Calavi, Bido-Sessi. 11h, messe à l'église catholique d'Azorissé. 12h, inhumation au cimetière catholique d'Azorissé. Les condoléances seront reçues au cimetière et les cérémonies se dérouleront dans le strict respect des gestes barrières de la COVID-19.